Donc les amis, sur Instagram, je vous ai posé une question. Je vous ai dit, posez-moi vos questions les plus folles, les plus philosophiques, les plus bizarres. Et vous étiez vraiment, vraiment nombreux à me poser des questions si bizarres. Parce que là, ça m'a permis de vous connaître. Ça m'a permis de connaître que vous êtes vraiment fou et bizarre. C'est pour ça que je vous aime. Donc là, on va commencer par la première question, les amis. C'est, est-ce que tu t'es déjà fait défoncer? Moi, je vais raconter une histoire, les amis. C'est rapide, en 2 secondes, je vais pas être très, très long sur ça. Donc, en gros, un jour, j'avais une copine au collège. Copine, je pense que quelqu'un l'a insultée. Donc, moi, j'ai le seum, je me suis bagarré avec lui. Sauf qu'en fait, le collège où j'étais, il était dans une cité. En gros, et j'étais le seul mec qui venait pas de la cité. Je venais genre d'une demi-heure à dans un autre endroit très loin. Donc j'étais le seul mec qui venait pas de cette cité. Donc le lendemain, j'arrive, je sors. Et là, je vois, il y a 10 mecs qui arrivent. Oh là là, je me suis fait défoncer. On m'a mis au sol. Pam, pam, pam. On m'a défoncé comme jamais. Le lendemain, j'arrive avec 3 potes à moi. Je sors. Et le mec, on le prend à 3. Celui du départ, tu vois. Et on l'a défoncé. Et je lui ai même pris son iPod. Et je lui ai pris, je pense, ses écouteurs. Ou je sais pas ce que c'est, genre de la monnaie, un truc comme ça. Mais en gros, je l'ai défoncé, je lui ai pris tout ce qu'il a parce que j'avais le seum. Quand j'étais petit, j'étais un rageux. Donc la prochaine question, les amis, c'est un objet fétiche. Donc l'objet fétiche, c'est mon objet fétiche à moi, c'est, je pense, mon appareil photo. Je vous le montre. Je suis pour. Donc c'est ça, les amis. J'adore prendre des photos. J'adore en fait tout ce qui est multimédia. Bah en fait, moi j'adore tout ce qui est multimédia. Avant tout, mon argent, je le claquais à la Fnac, les gens. Tout, vraiment. J'achetais des écouteurs Bluetooth, j'achetais des drones, j'achetais. À chaque fois que j'ai des sous, j'achète des trucs multimédia. Ça, c'est un truc vraiment que je kiffe trop. Il y a l'IA qui me pose une question. Elle me dit, prank quelqu'un. J'ai déjà essayé de faire un prank, ça n'a pas marché. Je vous laisse le lien en description du prank que j'ai fait. Et ça n'a pas marché. Donc, on prank, je suis vraiment, vraiment nul. Prochaine question. Est-ce que t'es gay? Ouais, je suis gay. Je suis gay. Je suis quelqu'un de très gay. Je suis quelqu'un de très heureux dans la vie. Je suis gay, oui. Est-ce que tu t'es déjà chié sur toi? Quand j'étais petit, quand j'étais petit, oui, mais pas grand. Pas grand, non. Quand j'étais petit, je faisais caca dans mes couches. À un moment, je grandissais. Et en gros, je prenais les couches. Mais grâce, tu casses tout. En gros, les amis, ce que je faisais quand j'étais petit, je faisais caca dans ma couche. Et en gros, je l'enroulais. Et genre, j'habitais, je pense, au 4e étage, si je me souviens. Et je la jetais par la fenêtre. Elle tombait sur des voisins qui venaient juste en bas tous les jours. Et bah, jusqu'au jour que je me suis fait cramer. Et l'histoire, je sais même pas ce qui s'est passé. Je suis le seul mec qui se souvient pas de son enfance. Tous les gens me disaient, ouais, moi, quand j'avais 2 ans, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais frère, moi, mon dernier souvenir, je pense, c'est quand j'avais 20 ans. Ah, YTV, il me dit salut. Bah écoute, salut. Hey, salut à tous, c'est Charles. Fais un plongeon dans un lac, sinon fais-le. Ouais, j'ai déjà fait un plongeon. Bah, si je trouve la vidéo, je vous la montre. De Handball officiel, c'est un rappeur, les gars. Il est vraiment, vraiment très bon. Je vous laisse aussi son lien en description. Allez checker sa chaîne, il est vraiment, vraiment pas mal. Donc, il me dit, tu penses tu vas percer sur YouTube? Oh mon gars, avec 6 ma gang, ne pas percer. Oh oui, mais en vrai, on fait ça pour le kiff, les amis. Pour la moula, pour le kiff, les gens. Wow, ta plus grosse connerie de ta vie. La plus grosse connerie de ma vie. Ah oui, ma plus grosse connerie, c'est d'avoir fait confiance à pas mal de gens. Je suis un mec très sympa, mais mon souci, c'est que je suis naïf. Ça veut dire tout ce que tu vas me dire, je vais te croire. Aussi facilement être naïf, je suis vraiment naïf. Je crois tout ce qu'on me dit. Ça me dérange pas, je m'en fous en vrai. Prochaine question. Tu aimes les pâtes? Ouais, j'aime les pâtes, ouais. Mes pâtes préférées, c'est de la pâte à la tomate. Ça, vous voyez les pâtes qui sont comme ça? Attendez. Les pâtes là, ceux qui sont comme ça, je les aime beaucoup. Je les mange avec la fourchette, moi. Essaye de trouver un jeu pour faire décoller la navette spatiale Atlantis. Tu veux que je fasse décoller une navette spatiale tout de suite là? Bah, je vais la faire décoller pour toi, mon pote. Ouais, c'est bon, on a quitté la Terre là, on a quitté la Terre, c'est bon, viens voir par la fenêtre. Ouais, mec, on est parti là, c'est fini. Y'a que des fils à pute qui tournent dans le secteur, patrouille ni tank, DM, la clique à l'inspecteur.
es de quelle origine? Je suis brésilien, colombien. Est-ce que t'as déjà embrassé une fille sur la bouche à part ta femme? Mais mec, là y'a mes meufs à côté, mais en fait, j'en ai embrassé plein. Est-ce que t'es bien monté? Oh mon gars, les questions là!